Mais la sensation de la voir dans les mains, j'ai l'impression de revenir. Là, l'image est en noir et blanc. Ah oui, c'est complètement ça. Ah, allez, en live. C'est gratouillé. Ah, mais c'est. En fait, j'ai pas osé. Non, c'est ça le swing, hein. C'est ça. Hein. Faut pas être très rapide. Là, hein. là. Sinon, si tu as un swing rapide, hein, tu risques l'arrosage. Ok. Et ben voilà, je vous emmène golfer au siècle dernier. En fait, la magie de ce sport et des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer Serge, passionné de golf hickory et du siècle dernier. Tout à fait. Et du coup, je vous emmène golfer en hickory. C'est parti pour une partie de golf au siècle dernier. On y va ? On y va. Donc toi, tu es passionné du siècle dernier. Tout à fait. Et joueur hickory exclusif. Exclusivement en hickory. J'ai complètement arrêté depuis 2 ans de jouer avec des clubs modernes. Qui, entre nous soit dit, me satisfait plus parce que y a beaucoup moins de sensations qu'en hickory. Et j'adore ça, et puis en plus, voilà, on est bien habillé, on a des jolis clubs, et on profite bien. Ouais. La performance, parfois, elle est là, hein, faut pas non plus la négliger, mais c'est avant tout le plaisir de jouer comme au siècle dernier. Comme des grands joueurs comme Harry Vardon, Bobby Jones, et Gene Sarazen, et Walter Hagen, tous ces gens-là qui ont fait du golf ce qu'il est aujourd'hui. Sûr. Alors quand on est arrivé sur le parking, j'ai vu Serge en tenue. J'avais l'impression d'être dans un film. Tu veux jouer quoi comme club? Ah ben alors, je suis tes conseils. Tu es coach du jour, coach hickory du jour. Je vais te donner un club, un fer, un machi. Ça s'appelle un machi. Ouais. Et c'est l'équivalent en ouverture à peu près, on va dire, faire 6, faire 5. D'accord. À toi de jouer. Alors, regardez ce club en bois. Une lame. C'est la première fois que je joue des clubs d'antan. Oh ! Alors, les sensations ? Ah ben c'est... C'est plus bluffant en fait de réussir à taper avec une lame, oui. C'est encore plus bluffant que de taper avec un club pour moi normal. Alors il faut savoir qu'avec ce genre de club, il n'y a aucune tolérance. Donc le coup que tu viens de réaliser, que tu as réussi d'ailleurs, c'est-à-dire que tu avais un swing qui était bien en rythme et tu as bien contacté la balle, ce qui fait que tu as fait une balle légèrement en draw, magnifique. Oh là 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 là, c'est un voyage dans le temps, merci. Donc on dit hickory. Pour quelle raison? Alors, en fait, hickory, c'est les Anglais qui ont appelé ça hickory, mais en fait son vrai nom c'est du bois, c'est un érable d'Amérique du Nord, un noyer d'Amérique du Nord qui s'appelle carrier. Et ça va peut-être vous parler parce que les Indiens d'Amérique s'en servaient pour faire des arcs et des flèches, pour vous dire la souplesse et la solidité que ça a. D'accord. Et aujourd'hui, à l'époque, pour faire un shaft en hickory, hein, fallait que l'arbre ait au moins entre 30 et 40 ans pour qu'on puisse tailler des shafts en hickory. Et aujourd'hui, ces shafts, hein, sont vraiment d'origine. On peut les dater, ces clubs-là, que j'ai aujourd'hui, de, on va dire, 1930, quoi, presque un siècle. Ouais. Donc là, on est en train de jouer avec des clubs qui ont été fabriqués en 1930. Ouais, à peu près, ouais, dans ces dates-là. Ouais. Puisqu'on a arrêté de jouer en hickory à partir de 1935.
et c'est l'acier qui a pris le relais. D'accord. Fin 18e et début 19e, on jouait avec des clubs en bois comme ça. Et il y a eu un fameux champion que tout le monde connaît, hein, Monsieur Bobby Jones, qui a créé le fameux parcours d'Augusta. C'est lui qui l'a créé. Et c'est le seul golfeur amateur, et d'ailleurs même professionnel. Il n'est jamais passé professionnel, il restait amateur. Et c'est le seul golfeur au monde qui a avoir gagné le Grand Chelem. Et en Icorie. Ma balle, elle est où? Petite recherche de balle. Regardez le sac, le trépied d'époque. Le look, on va parler du look hein, tout à l'heure. Ouais. C'est d'une élégance entre la tenue, le club et le swing. C'est d'une élégance absolue, Serge. Ah, on va voir. Je me suis, pour le swing, je me suis beaucoup inspiré des vidéos qu'a tourné après qu'il ait arrêté sa carrière de golfeur. Enfin, de golfeur. Il a arrêté de faire des compétitions. Donc, il a fait des vidéos après. Pas mal de vidéos qu'on peut trouver sur YouTube facilement. Et je me suis inspiré de son swing, mais je n'ai pas son swing, malheureusement. Le swing de Bobby Jones? De Bobby Jones, oui. D'accord. Et tous ces gens de l'époque. Le Bobby Jones, c'est un film qui a été tourné, la légende de Bagger Vance? Non. Il y a un acteur qui joue son rôle dedans, mais c'est pas son histoire, oui. Non, c'est pas son histoire. Le meilleur film là-dessus, c'est Stroke of Genius. Stroke of Genius. C'est sur la vie de Bobby Jones. Regardez l'élégance. C'est beau. De jouer ce club, ce qui est un machine iblique. Machine iblique. Ouais, qui est l'équivalent d'un fer 9, fer 8. Juste, je me permets, je vous le montre parce qu'il est incroyable. De prendre le club en main, je pensais pas que ça me ferait cette sensation. C'est, mais à tenir là dans les mains, c'est absolument magnifique. Allez, cool. Oh. Alors ça va moins loin qu'un club moderne. La perte de puissance est d'environ 20-25%. 20-25% de perte de puissance. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'oublier la performance et la puissance quand on joue en Icorie et d'avoir juste le plaisir de jouer. J'ai eu plus de plaisir là à l'avoir volé que sur un club sur lequel je cherche à avoir une distance maximale. Voilà, si tu ressens ça, c'est que tu as les bonnes sensations. C'est un vrai, vrai, vrai bonheur. J'espère que vous le sentez parce que. Oh là 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 là. J'ai essayé de tenter un look avec les accessoires que j'avais, mais alors maintenant, je me dis, en voyant ta tenue d'époque et respectant le dress code de l'époque, j'ai... Chemise blanche et cravate. Chemise blanche, cravate. Le petit trépied, finalement, qui est très pratique. Alors, je vais jouer un iblique. Iblique. C'est l'équivalent, en gros, à pas un sand wedge, mais un pitching wedge. Un pitching wedge. Oh, joli! Et en plus, elle est magnifique. Plein green. Très joli, bravo. Merci. Alors, pour tout vous dire, hein, quand j'ai des coups comme ça à jouer, hein, je ne cherche pas à jouer le mât, parce que c'est compliqué. Déjà, il n'y a pas de stries sur ces clubs-là, donc les balles roulent beaucoup. Donc, le backspin n'existe, pour ainsi dire, pas. Oui. Et il faut mieux chercher, enfin moi, pour ma part, je cherche plutôt à jouer milieu de green à chaque fois, pour être à peu près sûr d'être sur le green. Voilà. D'accord. Alors, à l'époque, hein, autour des greens, hein, ils jouaient beaucoup des... Il jouait assez peu des balles levées, mais beaucoup de balles roulées, parce que comme il jouait sur des links, sur les greens anglais, sur les greens écossais, on sait très bien que
On peut jouer hors des greens, sur les greens écossais et anglais notamment, des links, parce qu'ils sont immenses, hein, les greens là-bas. Oui. J'ai découvert pour la première fois un links cette année. Mmh. Je suis allé jouer en Irlande, au Northwest Golf Club. Je vous mets le lien en description. C'était le premier links. Ce qui m'a bluffé, c'est de sentir l'histoire créée en 1891. Voilà. Donc à l'époque où on jouait avec ces clubs. Eh ben, imagine un petit peu que tu ailles là-bas avec ces clubs-là et que tu joues là-bas. Ils sont un golf historique. Comme. Alors là, je vais te donner un club. Hein, c'est un... Voilà. Un machine hyblique, hein, c'est l'équivalent de faire 9, faire 8. Pour faire une approche roulée, c'est approche roulée. Bien, hein. D'accord. Mal. Donc, toujours beaucoup de souplesse, hein, pas serrer le club. Enfin, tu connais ça. Hein, c'est... Mais j'ai l'impression d'avoir un jeu qui s'adapte pas mal. Elle roule. Tout. Mais c'est pas grave, qui s'adapte pas mal à ce... Tu avais compris qu'il fallait un swing assez lent. C'est vrai. Bah, quand tu touches le green, oui, c'est... Oui, oui, mais le plaisir de les voir partir, il est intensément plus fort qu'avec un sac. Faire voler la balle, quand on sait ce que c'est comme club, faire voler la balle, c'est quelque chose. Oh là là. Allez, on est sur le green. On est sur le green, on va putter. Que c'est bien fait. Alors le putter, hein, à l'origine, si tu regardes bien, tu vois que tu te rends compte qu'il y a une ouverture quand même. Il pouvait être ouvert jusqu'à 8 degrés. Oui. Hein, parce qu'à l'époque, les greens n'étaient pas aussi roulants et performants qu'aujourd'hui. Donc d'accord, des fois, quand il y a des longs putts, il fallait donner un peu d'élan. Donc, d'accord. Il y avait une légère ouverture dessus. Oh là 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 là. Alors c'est beaucoup plus perturbant. Que les clubs. Que les fers, oui. Ouais. Oula, oula, oula. Superbe. Ouf. Superbe. Avec énormément de stress, allez, je me l'offre. Joli. Merci. Et il faut savoir une chose, qu'à l'époque, ils jouaient à ce qu'on appelle en stymie, c'est-à-dire que une fois qu'ils étaient sur les greens, ils ne levaient aucune balle. Si la balle de votre partenaire de jeu était dans l'axe de votre jeu, vous deviez la laisser, pas la lever. D'accord. Ils ne marquaient pas les balles à l'époque. Ça, c'était les règles d'époque. Le stymie. Et on pouvait aussi, si la balle devant vous gênait, mais que le trou était derrière cette balle qui vous gênait, vous pouviez chipper par-dessus la balle. Il y a certaines vidéos, notamment d'Harry Vardon, on voit une petite vidéo sur YouTube d'Harry Vardon de l'époque, où on le voit jouer en stymie, c'est-à-dire qu'il fait un chip au-dessus de la balle pour rentrer dans le trou derrière. Mais aujourd'hui, on fait plus ça, on ne chip pas sur les greens. Donc, trou numéro 2. Alors, tu as entendu le bruit que ça fait, du bruit que fait le club quand tu le frappes, surtout un bois. Tu entends ce vent qui fait... Oui, mais la sensation dans les mains est incroyable, vraiment. C'est pour ça que j'ai complètement arrêté le golf le golf moderne, parce que je trouvais que jouer comme ça, c'était une sensation énorme. Même si j'ai plus la distance, la performance... Quoique, bon, j'étais plutôt un joueur moyen en club moderne, mais aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer comme ça. Allez, tiens, je vais essayer. Alors, un bois de parcours. En fait, chaque club a un nom. Oui, ça s'appelle un clic. Un clic. C'est entre le bois de parcours et l'hybride d'aujourd'hui. Quoi. D'accord. C'est un club qui n'est pas très long, comme tu peux le voir. Donc, il peut s'assimiler facilement à un hybride. Et tu regardes sa tête. Ça ressemble, oui, ça ressemble plus à un hybride. Et tu regardes l'ouverture, on sent qu'il y a une bonne ouverture. Allez, petit coup d'hybride, à la cool. Ouf. Oh là 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 là, tu vas devenir un joueur d'Icorie. Hein. Mais tu es en train de me donner goût.
En fait, c'est quoi? J'adore ta tenue. Et quand tu joues en hickory, il faut vraiment travailler, enfin, être vraiment bien en swing pour bien toucher la balle. Là, tu l'as vu tout de suite, si tu es bien en swing, tu touches bien la balle. Alors qu'avec les clubs modernes, ils sont tellement tolérants que même si tu touches pas bien la balle, elle part. Qu'est-ce que tu as envie de taper? Un long fer? Ah bah alors Un fer intermédiaire plutôt? Parce que là, j'ai un long fer qui est l'équivalent d'un fer 3, fer 4. Si tu veux essayer sur le Ah parcours, bah oui. bon, apparemment, tu es idéalement placé. Hein. Écoute, alors. Place un peu ta balle, voilà. Hop. Comme tu peux le voir, il est très fermé. Hein. Ah mais c'est Et c'est un club très sensible. je vous le remontre, enfin c'est. On va faire un what's in your bag. On va faire un. Tu vas nous décrire tous les. Oh là 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 là. Alors pareil, hein, dans le même rythme. Hein. Sinon, tu vas voir, ça tourne beaucoup à droite. Oh! Ah, c'est difficile à jouer, Ah hein, club oui. fermé. Ouais. Ah mais il est. Alors après, oui, je l'ai pas. Les clubs ouverts, c'est facile, mais les clubs fermés, c'est beaucoup plus difficile. Alors moi, je vais Mais jouer je aussi. voulais, Hein. ouais, je voulais tester Oui, mais de toute un façon, ça fer fait 3, partie. fer 4, j'ai du mal avec un vrai club. Regardez l'élégance du joueur de golf d'époque. Alors, ce type de club s'appelle le mid-iron. Mid-iron. C'est un club, quand on a des difficultés avec les bois, sur les départs notamment, on l'utilise aussi sur les départs, qui est assez D'accord. efficace d'ailleurs. Il est impressionnant en main. Eh, c'est pas Ça levé. roule, ça part. Ben, ça tourne, hein. Oui. Mais je comprends, j'ai senti la difficulté. Hein. Tu es connu dans le monde de l'hickory par passion, en fait. Connu, non, mais bon, je me suis retrouvé ami avec des gens sur Facebook. Bon, eux, ils ont le plaisir d'avoir des compétitions chez eux. Bon, ici, en France, on en a très très peu, Ouais. malheureusement. Il y a quelques années, on avait un Open de France, Hickory. On ne l'a plus aujourd'hui. Bon, j'espère qu'il reviendra un jour. C'est quelque chose qui te plairait Ah oui, tout à fait. d'organiser des Enfin, rencontres? vraiment, le truc qui me plairait vraiment, c'est d'aller jouer à Saint-Andrew avec mes clubs en Hickory et dans ma tenue, bien sûr. Donc là, tu m'as proposé quoi comme club? Là, je t'ai proposé un, on va dire un machi 2, ouais, je dirais plutôt un machi iron, c'est, on va dire, faire 6, faire 5. D'accord. Oh. Alors, je replace parce qu'on est en hiver. Et oh là 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 là. La Est-ce que tu. sensation du bois, enfin Est-ce que, du shaft. et à l'oreille, est-ce que tu Ah trouves pas que mais ce bruit est magnifique? il est très différent, la sensation dans les mains, mais Ouais. à partir du moment où on le tient dans les mains, Ouais, c'est différent et tout c'est est. plaisant. Voilà. C'est un voyage. J'ai des yeux et des papilles un peu partout dans les yeux. C'est un régal. Ce que j'aime, c'est rencontrer des gens passionnés. Voilà, Serge est un passionné. Alors, là tu vas jouer un machine iblique. Machine iblique, c'est ça? Ouais. Oh, j'adore. Juste. Oh! Alors la tête est énorme, hein, on dirait une pelle. On Hein. dirait une Et comme tu vois, tu cuillère. peux voir, hein, c'est pas comme un sandwich, hein, c'est très 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 fin. Et il n'y Oh a pas de là bounce, il n'y a là. rien. Ok. Voilà, toujours Ouf. pareil, très en rythme. Hein. Oh là 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 là. Bah quoi, c'est Ah parfait. mais c'est absolument magique, comme c'est la sensation là. J'ai même fait un divo tellement elle est Alors, sur des affûtée. beaux parcours, bien souvent, je fais des niveaux assez larges. Ouais, ah, cette sensation, mais absolument incroyable.
Oh, Assez court. joli. Ça rentre sur le green, il manquera. Alors le terrain commence à être gras aussi. Ouais. Faut s'y habituer. Alors comme c'est une lame, hein, dès que tu t'accroches un peu, hein, tu te rends compte du niveau que tu fais Ah et mais ton là club sur ce passe pas, là. club, ça a été incroyable. Ton club, il glisse pas, hein, il accroche Ouais. forcément. Allez hop, sur le green. Mais c'est joli. Avance un peu. Ah. Voilà. Alors là, en plus, on est sur un green compliqué. Tout en descente, j'ai beaucoup plus avec ces clubs le souvenir de la La sensation, hein, mémoire les de la sensations, sensation. et tu ressens tout dans les mains, hein, c'est vraiment. Oui, mais c'est ça, la sensation est vraiment accentuée. Le putter Tu as m'impressionne. l'impression d'une souplesse, d'une facilité, enfin, je dirais pas une facilité, mais de. Ouais, bien joué. C'est donné. Ah, je prends. Bon. Ah, on va donner. Merci. Très joli. Eh ben écoute, c'est magique comme instant. Alors moi, je suis curieux de ta tenue. Tu vas nous en parler dans un instant. Alors. Je vais m'occuper de ton costume parce que là, Ah vraiment, mais oui, parce que c'est un petit peu, je me sens un peu ouais, je ridicule et vois, c'est j'aimerais. un petit peu à côté, Ouais, mais je suis d'accord.